Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire On va continuer à faire des additions. Alors on va faire cette addition-là, 8 plus 7. Alors là aussi on va imaginer qu'on a par exemple 8 tomates. Alors je vais prendre 8 tomates, puisqu'on peut très bien se dire que là j'ai 8 objets plus 7 objets. Donc là je vais prendre 8 tomates. Nos objets ça va être des tomates. Donc voilà une première tomate, je la place ici. Une deuxième que je place là. Une troisième. Une quatrième une cinquième, une sixième que je mets ici, une septième et une huitième que je mets là. Voilà. Donc là j'ai placé huit tomates et maintenant ben, je vais ajouter sept, on va dire sept myrtilles. Et puis après on comptera combien on a de fruits et légumes au total. Donc je vais prendre des myrtilles, je vais prendre sept myrtilles. Alors voilà une première myrtille que je place ici, une deuxième myrtille que je mets là. Et là, bon, je, je voudrais faire une petite pause parce que euh, je remarque quelque chose. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10 euh, objets en tout. Hein. J'ai 10 fruits et légumes en tout. Donc, ça, c'est important parce que nous, dans notre système de numération, on utilise les dizaines. On fait des groupes de 10 qui sont les dizaines. Donc, là, j'ai déjà un premier groupe de 10. Donc, j'ai enfin, 10 objets. Donc, j'ai une dizaine de fruits et légumes. Tomates et myrtille. Maintenant bon, le but c'est de faire cette addition-là. 8 plus 7. Hein. Là j'ai pris 8 tomates et j'ai ajouté seulement deux myrtilles. Donc il faut que j'en ajoute encore. Hein. Alors j'en ai déjà ajouté deux, je vais continuer à en ajouter. Voilà, ça c'est une troisième, je vais la mettre ici. Une quatrième que je mets là. Donc là j'en ai ajouté quatre en tout. Hein. Une cinquième. Une sixième et une septième que je mets ici. Voilà. Alors là, cette manière de faire, c'est assez pratique, parce que bon, j'ai effectivement mes 8 tomates, et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 myrtilles. Donc là, au total, j'ai effectivement 8 plus 7 fruits et légumes. Alors maintenant, on va les exprimer en, en utilisant ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on a dit qu'on avait une dizaine. Donc une dizaine, Moi, je vais le représenter comme, avec un 1, comme ça. Un 1 ici. Et puis on a ce groupe-là. Ce groupe ici, je vais le faire en, en rose. Ce groupe là, ça c'est 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 unités, je vais le mettre comme ça. Donc là j'ai fait l'addition. Hein. 8 plus 7, en fait ça fait ce nombre là que je lis 15. Mais en fait quand je dis 15, ça c'est le nom qu'on donne à ce nombre, mais ça veut dire une dizaine et 5 unités. Parce que dans notre, notre façon de faire, avec notre façon de faire, le 1 qui est là, il occupe la place des dizaines. Donc c'est une dizaine. Hein, Puisqu'on a 1 dans cette place des dizaines, ça veut dire qu'on a une dizaine. Et effectivement, c'est ce paquet de 10 qui est là. Hein, c'est cette dizaine qui est là. Et puis, le nombre qui est juste à côté, juste à droite, celui-là, là, là celui-là, il occupe la place des unités. Donc quand on dit... Quand on écrit ce nombre-là, 1, 5, 15, celui qu'on appelle 15, en fait ça veut dire une dizaine et 5 unités. Donc une dizaine c'est ce paquet de, 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 de 10 qui est là. Et 5 unités c'est ce, ce groupe de 5 unités qui est là. Donc c'est exactement ça que ça veut dire. En fait quand on dit une dizaine et 5 unités, une dizaine ben, c'est 10. Donc on va pouvoir écrire ça comme ça. Une dizaine c'est 10. Donc on va avoir 10 plus 5 unités. Ça, c'est exactement ce que veut dire cette écriture-là. Une dizaine plus 5 unités, c'est 10 plus 5. Donc voilà, ça, on a fait l'addition, mais, mais en plus, cette façon de grouper le, le, le résultat, ça permet de bien comprendre aussi l'écriture qu'on utilise ici avec les dizaines et les unités.